paroisse Saint-Louis, roi de France dans mes balais, ensemble avec moi-même et Père Bernard, nous présenter condoléances nous par dirigeants ASN, famille avec joyau. Et nous comprendre comment la circonstance a porté en pile douleur pour toute la communauté. Il y a des jeunes gens qui ont servi la communauté, qui sont tombés dans la condition que tout le monde connaît. Et puis, ça n'a pas dit l'autorité en rien. Et nous voyons, si la paroisse a accepté de chanter enterrement, c'est en dehors de toute considération, régularité de l'Église, cadre, tout le monde, nous avons besoin de mettre voix nous, ensemble avec toute la communauté Mibaléa, tout jouet ASN, tout dirigeant, pour nous dire ça, c'est un acte sauvage, et nous comptons ça, et paroisse là, protester contre le traitement de Harold Fédé, un jeune qui a rendu la communauté de service, et puis qui mourit dans la condition ça, et puis nous voulons protester contre l'impunité qui est dans le pays. Parce que dans une société, côté tout le monde doit faire sauver, société ça pas une société encore, c'est un bois, côté bête sauvage. Et nous devons profiter de circonstances pour nous demander aux autorités du pays qui ça voulait faire avec Haïti, qui projet lui. Est-ce que vous voulez faire payer à tout le monde en rac-bois, côté bête sauvage, côté sac plus fort, des doigts crasés, plus petits gens vous voulez, et puis ça finit. Est-ce que vous avez autorité? Est-ce que vous avez la justice? Est-ce que c'est le droit qui dirige les relations moun ak moun dans le pays? Est-ce que vous avez un contrat social qui marie les dirigeants avec le peuple? Ou bien, sous qui rail pays ça a marché? Est-ce que c'est normal pour nos pays? Eh bien, ou bien doit faire sauver, surtout l'autorité. Autorité. L'autre petit peuple ça qui est pauvre, qui a payé taxes, qui a payé impôts, eh bien, il a acheté des âmes pour défense, li, et puis c'est destruction. Les âmes ont servi pour destruction. Li. C'est un comportement qui doit énerver tout le monde qui est raisonnable et tout le monde qui est monde tout bon, ou pas même besoin de chrétiens pour protester contre un acte sauvage comme ça, mais on a besoin de monde qui a conscience, qui connaît sacré le droit, qui connaît sacré la justice, pour dire ou pas d'accord avec un état d'esprit comme ça. Et peut-être, nous-mêmes tous, une façon où on l'autre nous victimes, injustice pays, l'aurait le droit à fouler en bas pied. Mais c'est pour nous bâtir une société, quelle que soit la raison qui rassemble nous, c'est indignation, c'est protestation, c'est solidarité, mais c'est la foi qui rassemble nous dans l'Église. Là. Nous venons s'allier entre Harold dans la vie pour tout le temps. Et nous connaissons un monde qui croit dans Jésus-Christ, la mort n'a pas de pouvoir sous lui. Et c'est Jésus-Christ même qui montre nous comment la mort n'a pas de pouvoir sous le monde qui vivent pour bon Dieu, qui vivent dans bon Dieu. Nous rassembler tout pour nous demander justice pour Harold. Et Jean nous parle demander justice ça. Ce n'est pas dans le boulet caoutchouc, ni dans le coupé route, parce que bah, ça nous montre nous plus sauvage parce que les gens qui ont détruit la vie, ni sauvage tout parce que les gens qui ont le pouvoir pour punir les gens qui ont attaqué la vie, qui ont détruit la vie, mais qui n'ont pas fait rien. Nous devons protester dans la limite de la loi ben nous, et nous devons protester jusqu'à ce que l'autorité, la justice, bail à Wall Justice pour punir les gens qui sont coupables. Et ce n'est pas nous qui allons dire dans quel sens pour justice la tête, mais nous devons faire
autorité yo rende la justice selon la loi, selon ça qui doit. Rien n'est plus banal que la mort. Rien n'est plus subtilement cruel que cette désintégration des molécules qui survient dans le laboratoire humain, obligeant choses et gens à vue à rejoindre un destin collectif de poussière. Chirurgie majeure avec laquelle, paradoxalement, il faut vivre et dont parallèlement on ne relève jamais, comme si ce fut le prix à payer. Pour entrer dans le royaume de l'inconnu, dans le domaine de l'éternité. Comme dit l'autre, je me sens moi-même mourir chaque fois que l'être humain disparaît, mais les tolérables souffrances qui en résultent se décuplent et se multiplient quand c'est un père, quand c'est une mère, quand c'est une épouse, quand c'est un frère, quand c'est un ciseau qui tombe. Et l'on se retrouve en train de décrire sans art un mort que l'on pleura sans fin. La vie de Tiso a été une longue quête de cheminement. Né à Mirbalet, le 14 juillet 1987, né sous le signe du Gémeaux, Tiso est le fils naturel de Jean-Robert Fédé et de Carole. Très jeune, ses parents ont voulu lui doter d'une éducation solide. Il a fait ses études primaires à l'école Siloé. Très jeune également, Tiso a vu partir sa maman pour l'au-delà. C'est à partir de cette date que Jean-Robert, son père, décida de le confier à sa mère adoptive, Yannick Saint-Hilaire. Très jeune, Tiso se consacrait uniquement au football, abandonnant même les salles de classe pour son sport préféré. Très doué techniquement, Tiso pouvait évoluer à n'importe quel poste. C'était un dépanneur. Il a intégré le groupe de l'association sportive de Mirbalet et il est resté toute sa vie. 14 ans. Malgré les offres des autres clubs du pays, ce qui n'est pas facile à nouveau, car le footballeur change de club trop facilement. Tiso faisait toujours montre de grand amour pour cette ville natale qui Mirbalet, pour son club chéri, la SM, qu'il défend toujours avec cœur. Autant dire qu'il avait toujours la rage de vaincre. C'était lui l'homme des grandes décisions. Sur le terrain, pourtant, il était toujours calme, ne parlant que très rarement. Lorsqu'un joueur adverse se faisait menaçant, il siégea sans même consigner de Josaphat, tout carrément de poste, pour aller récupérer, pour aller plutôt s'occuper de ce joueur. Ses prouesses et ses performances l'ont amené à défendre les couleurs nationales, car il a à deux reprises intégré le cercle tant fermé des joueurs convoqués en sélection nationale. Tiso avait une passion, le football. Comme disais-je, la vie n'a jamais été tendre pour lui. Après le départ prématuré de sa mère, il a vu participer également son père en 2010. Il n'avait alors que 23 ans et il était déjà orphelin. Tiso avait connu la vie dure, mais il était courageux, patient et fixé. C'est sa fierté qui faisait de la quatre coins pays de Wanamette à Jérémy. De Saint-Louis du Nord à Port-au-Prince, comment quoi fait nous mal
comment faire, quoi faire nous mal, parce que Fédé t'a pral porter la vie, il t'a porter la joie, il t'a distrait la population dans la Tibonite. Elle tombait sous ça, elle tombait. Moi, quand on a crié, il faut que nous crions parce que nous perdons un gros garçon, nous perdons un gros footballeur, nous perdons un gros vedette. Mais surtout, nous perdons un monde, nous perdons un garçon, un monde qui baille ni lui-même, en pile la famille, qui identifie à l'histoire mi balen, à la ville mi balen. Là, tout ça, la ville a réussi déjà. Dans le domaine jeunesse, dans le domaine football, où tu joues nous fédé là-dedans. Et Awol, tu es un modèle de capitaine, un modèle de réussite, un modèle de discipline, mais un modèle d'humilité, un modèle de sacrifice. C'est le sacrifice qu'il fait pour l'alpoter cœur content, pour l'alpoter talent, ou l'autre côté, il tombe sous ça. Quoi d'autant plus faire nous mal que nous souffrions en pile avant nous rendre hommage ça matin à lui-même mais à toute famille. Nous disons, n'a pas crié me comprendre mais pas crié. Nous chaque sous la terre les nous venir ba nous mission. Gagne venir yo pas faire rien avec. Gagne c'est effacer ou venir effacer monde. Gagne monde c'est ouéter ou venir ouéter la vie. Monsieur lui-même titan le faire. L'hypothé mi balè sous dol, l'hypothé la jeunesse sous dol, li montre tout jeune comment ça t'a doué. Si t'es dans un pays côté respecté moun, si t'es dans un pays côté que t'es justice, si t'es dans un pays côté les valeurs t'es respecté, côté la vie moun de sens. Li fait effort, li fait sacrifice là. Pas criel, pas mourir, il remplit mission. N'en point moun qui a oublié, toute sa famille fait défaite. Mais n'a pas monde qui a oublié tout. Tout ça a été représenté pour les jeunes qui étaient passés avec elle, qui étaient joués avec elle. Et tout jeune qui a venu devant. Lui est ton modèle, lui est ton exemple. Moi, je veux dire, nous, chaque dans le pays, il y a millions de monde qui aiment le football. Il y a des gens qui vivent le football. Ils ont senti douleur, nous. Ils ont senti quoi? Nous, les familles, ils ne sont pas pour compte. Ils sont fiers. La fierté joint toute satisfaction. La fierté au joint on récompense de tout ça, monsieur t'es fait. Pas crier. Monsieur pas mourir. Monsieur le bras de l'ancien là. Il bras jouer football. Il bras inspirer en pile l'autre jeune. Pour ça fini le pays. Ya. Pour que moun pas prenne vie, moun fait n'importe bagay. Mais pour moun, yo vive comme moun, yo respecte moun. Condoléances, sympathie. Femme football dans tout pays. Ya. Mais femme football dans le monde. Avec nous, président FIFA, président CONCACAF, en pile l'autre joueur, exprimer sympathie, nos solidarité nous. Ça pas doit rester comme ça. Nous prenons le travail, en pile, pour nous joindre justice, pour ça suspendre notre pays. Nous gourmet toujours, pour que Awol Fédé, dernier monde peut-être, il fait ça dans la vie. Mandez-nous, transformez, crier, conservez énergie, nous, conservez courage, nous. Gampile l'autre bataille. Pour nous changer.